destin de ce foutu clébard. Même là, il me mène par le bout du nez. Ah! Quelque chose de nouveau! Ah bah voilà! Ah, immunise contre l'altération d'état poison. Ça, c'est pas grave. Permet d'invoquer Ifrit. Oui, mais comment? Moi, ma question, c'est matériel permettant d'invoquer Ifrit. Cet emplacement est réservé aux invocations, d'accord, mais. Mais j'ai jamais pu l'invoquer jusqu'à maintenant. J'ai pas l'option. Ah d'accord, on ne peut être invoqué qu'au cours des combats lors desquels la matière d'invocation correspond résonne. D'accord. Ok, donc on ne peut pas l'utiliser quand on veut, c'est dommage. Me stopper de toute façon. Je sais pas pourquoi, mais t'aimes vraiment pas ce temps pour toi. Non, mais c'est pas après lui que j'en ai. Ce qui me débecte au plus haut point, c'est cette image de chien fidèle véhiculée au profit de la propagande de la Shinra. Le pauvre Stamp. Il cherche une sortie, mais il tombe toujours sur un mur. Suffit de les casser. Tiens, tu dis la même chose que Barrett. Oublie ça. C'est quoi ton problème? Par ici. Tu vas où, là? Ils sont là! On est au courant du moindre de vos faits et gestes. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ah putain, ça reset le combat.
que je me ressaisisse. Garde ton sang-froid. Je peux le faire. Je m'en charge. J'arrive. Qui a foulé. Ah merde, lui c'est vrai, celle qui soigne normalement. Ah, lui il a pas. Ah, je me suis trompé. Ouais, une médaille bug. On devrait plus être très loin de ce fameux passage caché. Y a pas à dire. Je trouve que ce plan E est très bien conçu. Et toi, qu'est-ce que t'en dis, l'ancien soldat ? C'est grâce à Biggs, pas vrai? J'ai eu mon mot à dire, moi aussi. Soyons prudents, alors. Qu'est-ce que t'insinues, là? Ah, quel enfoiré! T'as pas dit que l'endroit était abandonné? Eh ben, il n'est pas. Ok. C'est quoi ça? Ah, c'est pour utiliser toxine. J'en ai acheté une juste pour avoir chaque matériau au moins une fois. Ok.
On dirait pas qu'on a oublié quelque chose. C'est ça? Oh. Écarte-toi! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fout là? On va se retrouver. Je vais t'apprendre les bonnes manières. De feu. Reste sur tes gardes. Ça va se calmer. Tiens. Unité. Ok, faiblesse. Fouloir. Légère résistance. Bordel de plantage à la con. Qu'est-ce qu'on doit faire? Attaquons ses pattes. On va l'arrêter. J'arrive. Combattre avec les espères. Les espères restent sur le champ de bataille jusqu'à ce que la zone soit vide et se battent d'eux-mêmes, mais si vous pouvez en utilisant la TV des membres de l'équipe. Wow, trop bien. Yeah.
apprendras. Partons. Ouais, par là. Voilà qui est ennuyeux. D'après le bureau d'analyse, des valeurs anormales ont été enregistrées. Après ça, nous avons perdu tout contact avec le prototype. Des valeurs anormales. J'espère que ce n'est pas une erreur de réglage de votre part. Non. Le module d'analyse avait l'air de fonctionner correctement. Avait l'air. La seule explication, c'est que les sujets ont largement dépassé nos estimations. Qui aurait cru ça? Les systèmes de surveillance du point E, ils sont tous détruits. C'est le président. Il est marqué président. Allô? Oui. Il n'y a aucun problème. Au contraire, nous devrions obtenir des données intéressantes. Oui, j'en suis bien conscient. Nous savons où se dirigent les intrus. Si vous êtes sûr que vos réglages ne sont pas en cause, trouvez-moi vite les raisons de ces valeurs. Et si vous n'y arrivez pas? Je vous enverrai sur place pour évaluer vous-même leurs capacités. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Vous savez que je suis plutôt gentil, non? Du moins avec les bons éléments. La pression incroyable. Le passage se trouve derrière les conteneurs. On va se faufiler. Ah. Oh merde, c'est vachement étroit. Oh, ça va. Ouais, ça va. Ça va, t'avais la place, hein. Vous avez affronté une machine comme ça quand vous vous êtes infiltré dans le réacteur numéro 1? Ouais, il y en avait une en forme de... Alors, d'abord, ah voilà, donc là on a rempli 3 barres d'ATV contre lui. En utilisant une compétence spéciale. Ok, donc il faut que je passe en bravoure à chaque fois qu'il y en a un qui est... Et là, état de choc, qu'un... Oh, il y a encore un et c'est bon. Bah, les rapports, ils se complètent d'eux-mêmes, mais il faut quand même juste un tout petit peu faire attention quoi, à ce qu'on fait. Alors, d'abord, il me semble que j'ai... Pas pour toi. Ah! J'ai appuyé sur un bouton et je vois ça et c'est trop bien. Donc, c'est attribution materia R1. Super. Hop. Alors, attends. Parce que là, on en a 3 et je voudrais pouvoir garder les 3. Donc, d'abord, on va aller... On va passer en amélioration parce que... On fait pas ça assez souvent, apparemment. Waouh, on a débloqué le niveau 3. Ah, pas pour Barrett. Mais avec Cloud et Tifa, on a débat. Alors, on va déjà... Déjà, on va regarder... Attends. Ici. On a un emplacement vide pour Materia. Déjà, donc... Là, non, là, 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 là. Déjà, on libère l'emplacement vide pour la matière. Très important. Ah, mais non, ah, je suis retourné une fois trop. Le père a été vide, donc je suppose que tu as père requis. Et là, c'est 6. Et là, c'est 8. Ok, bon, donc de toute façon, j'en avais terminé.
avec celle-ci. Je suppose que pour toi. Par contre, si je peux rajouter un emplacement. Donc ici, on a tout. Ici, et. Là, je peux pas rajouter d'emplacement. Et l'autre a un double truc. Donc. Là, il y a un truc qui me plaît, c'est effet des soins sur soi plus 50% PV bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire PV bas? Inférieur ou égaux à 25%. Ok. Ça, c'est bien. Donc, on va prendre ça. Voilà. Donc, la lame d'acier, elle a 29, 31, 5 et. Ah, tu vois, celle-là elle fait plus de dégâts, moins en magie, elle a plus de défense. On a la maîtrise à 100% des deux. Ok. Mitrailleuse rotative, 12 points. Alors, déjà là, on va libérer celui-là. Et ici, alors attends. Alors, bah, je pense qu'on va aller sur les PV max. Hein. Hop. Voilà. Et Tifa. Alors, Tifa, on va voir qu'est-ce que tu as. Au niveau 3. Ok. Dégâts des techniques transcendance. PM. Wow, plus 200, c'est énorme. Ici, on a tout appris. D'accord. Donc là, pour 6, on a PV max. Donc, je vais rajouter PV là. Et je vais rajouter attaque physique. Plus 6, c'est quand même pas mal. Et maintenant, on va voir tes nouveaux gants. Parce que ici, on a compétence piquée du talent. Maîtrise 40%. Donc, du coup, on va pas. On va attendre que tu aies piqué du talent. Ah, va falloir que je le fasse moi, je crois. Donc là, on a la maîtrise. Là, on n'a pas la maîtrise encore. C'est quoi? Infliger l'état de choc à un ennemi avec combustion. Choc combustible. J'allais dire qu'il y a une combustion combustible. Bon, on va juste l'améliorer du coup, mais on va pas l'équiper pour l'instant. Ok. Ok, donc là déjà, on apprend emplacement matériel. C'est la première chose qu'on fait. Voilà. Et ensuite, on va. Alors, dégâts attaque normale aérien. 5% c'est beaucoup. Hein. 5% c'est beaucoup, mais je vais quand même aller sur celui-là. Parce que je vais augmenter sa rapidité. Voilà. De toute façon, on va pas l'équiper tout de suite ces gants-là. Malheureusement. Oh, putain, elles sont vraiment plus fortes. Mais d'abord, je vais avoir appris à piquer du talon. Donc va falloir que je joue avec. Il faut falloir que je joue avec les deux. Hein. Là, ça va commencer à être compliqué. J'ai l'impression que. Que la maîtrise, elle augmente pas des masses. Bah, si elle est à 40. Ah si, 40%, c'est possible que ce soit moi qui les ai fait à chaque fois. Hein. Parce que j'ai fait des piquets du temps. Tiens d'ailleurs, à quoi on pourrait comparer celle de tout à l'heure? Hein? Eh ben. Je sais pas trop. Qu'est-ce que ça peut faire? Tout comme prévu. On descend avec ça. Oui, ça va, ça va, ça va, j'arrive.
À partir de là, ça risque de se corser un petit peu. On va voir. Le plan E. T'imagines que si tu vas voir les trophées du jeu, tu te spoiles du nombre de chapitres qu'il y a. Chapitre 6. Il n'y a plus qu'à traverser jusqu'au réacteur numéro 5. Ça a l'air plus difficile que je le pensais. Ça doit pas être bien compliqué. On voit le pilier du réacteur là-bas. On fait comment ? Après le plan E, on a F, G et H dans l'ordre. Ah, il y avait une suite en fait. F, c'est le nom de cette section. Vous traversez la G pour pouvoir atteindre la H. La plateforme de la section H va nous amener près du réacteur. Vix nous attend là-bas normalement. Le soleil a commencé à se coucher, on dirait. Bon, allons-y. La Shinra va comprendre sa douleur. Cette porte mène à la section G. Bon, moi je fais une petite visite, hein. C'est l'interrupteur du projecteur. Ah. Attends, moi je viens de quel côté? Moi je viens de là. Hey, t'as vu qu'il est toujours par là ou quoi? Ouais. Donc, en fouillant, j'ai trouvé où est-ce qu'il fallait. Le fait qu'il n'y ait pas assez de courant par ici. Va savoir. Ce qui arrive, c'est plutôt parce que personne fait de contrôle. C'est vraiment pratique d'avoir de la lumière. Mais ça consomme beaucoup d'énergie, Mako. En voilà un. Vu d'aussi près, ils sont vraiment énormes. L'interrupteur est en haut de l'échelle. Ouais, je sais, j'y étais tout à l'heure. Faut avoir le cœur bien accroché pour grimper là-haut. Je m'en occupe.
charge du générateur d'urgence. Réactivation des portes en cours. Parfait, on va pouvoir y aller. Ça a marché, Cloud. On peut enfin aller dans la section G. Oui, on n'a qu'à utiliser le réacteur comme repère. Des cocons. On a encore atterri dans un nid de ces saloperies d'insectes répugnants, on dirait. Non mais, ils font quoi la Shinra? Elle est vraiment pourrie jusqu'à la croûte, cette grosse pizza. C'est drôle ça. C'est dégoûtant. Ils étaient vraiment pas obligés de les faire dégouliner. Hein. J'ai vu le bonus maîtrise obtenu. Ça veut dire que la maîtrise, tu le reçois juste en utilisant les armes et tu reçois des bonus en faisant ça, quoi. Ouais, essayer d'obtenir celle de Barrett rapidement. Faudra juste que je pense à jouer Barrett de temps en temps. Attends. Non, nous, on est venu d'ici, je suis con. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Oh oui, je t'ai vu, petite Materia. Tu m'as appelé au loin. Attends. Là, il y a un truc pour monter. Et là, il y a tout un truc pour aller. Ça va? Ouais. Ha, avoue que tu voulais récupérer la Materia. Évidemment. Et dire qu'on est juste à côté. On ne peut pas passer par là non plus. Ouais, il y a sûrement un autre chemin. On est obligé de continuer de chercher. Il faut aussi aller récupérer cette Materia. Ha! Fini. Prends ça.
Ah merde. Tifa, soigne-toi. Tifa, elle s'est pas auto-soignée, la con. Dans un endroit comme ça, ce qui est le plus important, c'est de se convaincre qu'on va pas se perdre. Ce que tu dis, c'est tiré d'un livre pour enfants. Ouais, il se trouve que Marlène l'aime beaucoup. Alors je lui en cite souvent des passages pour lui faire plaisir. La vie est comme un labyrinthe sans fin, n'est-ce pas? Moi aussi, j'en ai retenu quelques-uns. Alors, si je me souviens bien, Tifa a la maîtrise. What? Ah oui, là, il faut... En fait, il faut que je retienne... Qu'est-ce qu'elle a? Ah! Ah, mais c'est trop bien! Alors... Grand renforcé. Ah oui, ça c'est ce que j'ai. Voilà. Ok, nickel. Donc maintenant il y a juste lui qui a pas 20%. Alors, choc combustible, effectue un tir puissant. En fait, je crois qu'à chaque fois que tu utilises le truc, ça augmente la maîtrise. Je vais faire des tests. Je vais juste attaquer sans utiliser la compétence. Ensuite, on check la maîtrise. Et ensuite, j'utilise la compétence, mais sans... Attends. Moi, je suis venu d'où? D'accord. On peut pas passer, on peut pas passer. Ok, ici y a rien, hein. Y a vraiment rien, j'ai fait le tour. Ça on peut pas casser. Non. Bon, bah là il y avait juste un ennemi en fait. Normalement il va falloir que je voie comment récupérer cette matéria. Jusqu'à présent. Non, mais on va bien y arriver si on continue comme ça. Libre à toi d'avancer au hasard. À mon avis, le moyen le plus sûr d'y arriver, ce serait... De longer le mur. Ça coûte pas grand-chose d'essayer. Et puis, on aura l'impression de se rapprocher. C'est une bonne idée. On doit donc aller vers ces gros ventilateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque pas de se perdre comme ça. Ce sont des ventilateurs d'aération? En tout cas, ils ont pas l'air de servir à aspirer ces cochonneries de gaz puant. Toutes les substances toxiques sont déversées directement sur les bidonvilles. J'en garde qu'une bouchée. Je compte sur toi. Fais tomber le train. Ok, donc là on a juste utilisé l'arme de Barrette. On est toujours à 20% de maîtrise, ça n'a rien changé. Je suis sûr que c'est marqué dans l'aide, mais je préfère faire ça comme ça.
Non, elle est là-bas. Regardez, on devrait pouvoir monter sur ce tuyau. Ça nous permettrait de traverser. Vous êtes cinglés. J'ai pas peur. J'ai du mal à me repérer en vrai. Hein. Ça va aller. Je risque rien. Ça va. Regarde pas en bas. N'aie pas peur. Oh non. La vache! Ces ventilateurs sont vraiment très bruyants! T'as la frousse ou quoi? Mais non! Je suis seulement un peu inquiet pour toi! Léger comme t'es, tu risques de t'envoler! Tais-toi et avance! D'accord! Suivez-moi! Ce petit vent est vraiment très agréable! Mais alors là, pas du tout! Surtout, regarde, droit devant! Ok. Le ventilateur là-bas, qu'est-ce qu'il a? La section H est juste devant nous. Surtout, fais attention où tu marches. C'est la plateforme qu'on doit utiliser? Oui, cette plateforme-là. C'est celle dont parlait Biggs. Ça fait aucun doute. C'est bien la plateforme que Biggs nous a dit d'utiliser. Il devrait nous attendre un peu plus loin. Alimentation en électricité insuffisante. Évidemment. Non, mais sérieux? Il va falloir qu'on éteigne 3 projecteurs. Autant que ça? Alors du coup, tous ceux de la section? Remarque, on n'est plus à ça près. Si on se perd, on peut revenir ici. Il suffit de se repérer au H1. Ok. Alors, lequel de ces projecteurs est le plus proche? C'est celui-là. Là, il y a un truc. Les lumières qui éclairent les bidonvilles sont des soleils qui montrent le chemin vers un avenir radieux et chassent les ténèbres. C'est quoi, Charabia? L'alimentation en électricité est insuffisante. Nous devons d'abord libérer du courant. Tiens. Ok, celui-là aussi. C'est soi-disant éclairé grâce à la Shinra. Il promet forcément d'être très sûr. Ok. Génial. Garde ton sang froid. Réglons ça rapidement. Attendez que ça. Voilà. Faites ça. Ça va faire ça. Ça te plaît. Ne rattrape pas. Envoie ça.
Ah non, j'ai eu un bénéfice de motruse. Un bonus de maîtrise. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, donc c'est bien en utilisant choc. Ok, ça veut dire que j'ai pas besoin de jouer avec lui. Ce qui en soi est une bonne nouvelle. Elle est moins douée que moi en magie en fait. Ok, alors. L'interrupteur, il est là. On va pouvoir éteindre ce projecteur. Courant rétabli. Mise sous tension. Ça en fait déjà un. Il reste plus qu'à éteindre les deux là-bas. Le redémarrage du système anti-intrusion est en cours. Un système anti-intrusion? Le courant serait donc revenu? Ah! Qu'est-ce que ça peut nous faire? On va tout dégommer sur le chemin vers le réacteur. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'on les a pas dégommés avant. Mieux vaut vérifier régulièrement si on veut pas se perdre. L'avantage, c'est qu'on les voit de loin vu leur taille. C'est que l'hélice retourne. Tant mieux! Thank you.
L'alimentation en électricité. Ah, fait chier, putain. Si on l'éteint, ça marchera. Ouais, on verra. Je vais aller trop vite en fait. J'ai peur que la. Qu'on skip un endroit et que du coup il me manque une matéria. Il y a 3 réacteurs donc techniquement. 3 projecteurs à éteindre. Donc techniquement je devrais rien louper. Il reste plus que le projecteur là-bas. On voit enfin le bout du tunnel. On va pouvoir descendre par ici. Elle va pas s'effondrer, hein? En bas, c'est le secteur 4. Hein? Ça t'intéresse. Je te ferai visiter si tu veux. Vous pourriez vous inquiéter pour moi, hein? Ça a l'air de fonctionner. C'est pas par là que je voulais aller, putain. On en a éteint beaucoup de soleil. Le soleil, il n'y en a qu'un de vrai, et c'est largement suffisant. Tout ce qu'il fabrique à la Shinra, c'est que du toc. Je dirais bien qu'on a tourné tout autour. Voyons, où est le dernier projecteur? Ce projecteur est le dernier. On peut dire qu'on a fait beaucoup de détours. Après tout, il n'y avait pas de Tessa pour nous guider ici. Et puis, Jesse et Wedge ne sont pas là pour nous aider. En effet. Au fait, comment on va expliquer leur absence à Biggs? Ça va forcément l'inquiéter. C'est jamais. Mieux vaut bien placer cette passerelle si on veut atteindre le projecteur. Comment je fais arriver là? Sois prête pour le prochain.
Bon, je vais éteindre les trois projecteurs et je pense que pour aller à l'endroit, ça va pas se faire automatiquement, donc je dois pouvoir m'amuser à aller un peu partout. Oh, un bracelet magie. Ah non. Alors, Tifa... ses soins sont pas assez bons. Wouhou! Et voilà, ça fait 3. Dis, à ton avis, la plateforme fonctionne désormais? Peut-être bien. Bon, retournons en H01 pour vérifier ça.